Allô, allô. Allô, allô, allô. Allô, ma crème des crèmes. Allô, l'élite de Meta. Allô, mes fans. Allô, mes abonnés. Comment vous allez? Partagez le direct, s'il vous plaît. Admirez le beau mont Ngaoundéré. C'est un mont fait tout de pierre. Hein. Je voulais faire l'ascension. Je ne sais pas si j'aurai le temps de monter jusqu'en haut de la pierre, là-bas, en haut, là. Ascension du mont Ngaoundéré. Ce serait une belle escapade. Une belle randonnée pédestre. Randonnée pédestre. Une belle, 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 belle. Alors, je suis à la fenêtre de ma chambre et j'admire ce mont et je veux comprendre comment Dame Nature prend son temps pour sculpter sa nature, pour fabriquer, pour, je te dis là, c'est que des grosses roches bien enchevauchées les unes des autres, c'est-à-dire que encastrées, collées, collées, collées. Je pensais que ça pouvait rouler et tomber. Non, 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 non. Sculpté, je ne sais pas comment ça a fait pour que la tête du monde soit comme ça. Et il y a deux petits à côté. Hein. Et c'est parce que mon séjour et les monts m'ont fait. Partagez la vidéo, bipez-moi mon gars. Bipez-moi mon gars. Dites à mon gars que la maman de l'heure juste veut lui parler. J'étais à Ayos, le village d'Élise, mais ben. Hitler, mais ben, je suis passée à Ayos. Maman, il n'y a pas la lumière à Ayos. Hein. Donc, le bruit que tu fais là, tout le bruit que tu fais là, oh les élites, oh les bécans, et les ceci. Maman, tes élites là ne mettent pas la lumière là-bas chez vous. Quoi. Parce qu'il y a la lumière à Baranté partout, jusqu'à Bazou, jusqu'au Fengfong. Hein. Maman, il n'y a pas la lumière. J'étais à Ayos, le village de Hitler, mais ben. Parle souvent que les dignes fils et quand les élites, maman. J'ai dit que la route de ça, les trous, maman. J'ai vu le pont du Nyon. Vous savez que l'eau du Nyon, là, ça circule dans beaucoup de villages, ça serpente les villages. Hein. L'eau du Nyon, là, c'est passé là-bas à Ayos. Mm-hmm. Envoyez les cœurs, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas nombreux. Hein. Eh mon Dieu, quand on reste sans se connecter, vous nous oubliez. Hein. C'est comme ça, hein. Et vraiment, voilà, on connaît vos cœurs. J'ai sali Julienne, zombie, la reine mère de Lolomaya. Je te salue, ma chérie. Je suis au pied du mont Ngaoundéré. Et je vais parler à mon gars. Même si j'ai les bergres vues, je vais parler pareil. Parce qu'il fait mon chiffre. Hein. Jusqu'à preuve du contraire, je fais mon chiffre sur Meta. Je dis que Corinne, il n'y a pas de lumière à Ayos. La route, les trous. Je dis que les trous sur la route, si tu ne fais pas attention, tu casses tes pneus et la jante. Maman, j'étais à Ayos. Je vous ai même posté la vidéo depuis Zoukembe tourne. Je ne sais pas pourquoi ça ne poste pas. Vous allez voir. J'ai adressé Hitler Mebe directement d'Ayos. J'étais à Ayos. J'ai vu l'eau du Nyon. Maman, l'eau du Nyon, le fleuve du Nyon. Hé, 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 hé. Le fleuve du Nyon là-bas, maman, j'ai dit que le gazon. Vous voyez le gazon comme ça, vous croyez que c'est le gazon vert. Hein? C'est que si tu entres, ça t'avale. Un fleuve tranquille, mais qui peut t'avaler. J'ai vu parsemé de gazon. On dit que si tu tentes, c'est l'eau. Maman, bonjour ma jolie. J'ai souffert là-bas pendant 3 bonnes années. Et à Corinne, ma cana, pas de lumière noire, sombre. Tu passes au village, c'est comme s'il y a les fantômes. Hitler me bête avec tous les élites et quand que tu as dans le. Hein? Il n'y a pas de lumière. On n'a pas conçu la lumière. Le village est perdu, tristement village. Tu es toujours à te dire qu'on doit exterminer les Bamilékés. Les Bamilékés doivent partir, les Bamilékés. Maman, je suis passé dans ton village, Zambe. Ouais, national numéro 1. J'ai dit que national numéro 1, les trous de ça. J'ai dit que les trous de ça. Hé, Corino, les trous de ça. Et sur le, comment je vais dire, sur le fleuve, le fleuve de Nyon, là, il y a les gazons, hein. Tu crois même que c'est vert comme ça, tu crois que c'est tente de mettre ton pied, ça t'avale. Hitler me bête, dit qu'elle va se terminer les Camerounais. Voilà, ça part de village. Je suis passé, dit qui est. On ne respire pas, que les Bamilékés quittent le Cameroun. Et voilà, ça part de village. Maman, tous les élites là, pas de poteau électrique. Ningok, noir charbon.
On était dans le, c'est dit que l'obscurité totale à iOS. Partagez la vidéo, vous êtes où? Partagez la vidéo. C'est que j'aurais des maigres vues, ça ne me dérange pas. Moi, ce n'est pas les vues qui déterminent mon chiffre. Voilà. Ma géolocalisation permet que mon salaire soit haut. Dites ça aux vieilles chouettes de Facebook qui pensent que comme j'ai les maigres vues, je n'ai pas le salaire. La géolocalisation aide beaucoup. Donc, mettez ça dans vos têtes. Bande de ce que je pense. Ah, le mont Gaoundéri. Est-ce que vous voyez avec quoi? Sur la fenêtre de mon hôtel, je vous montre ça. Bien posé en Gaoundéri. Ça, c'est ce qu'on appelle les voyages, les vacances. Pas que tu arrives à Yaoundé, tu fais des dreads. Les fans, vous êtes où? Venez me donner les fans. Je suis là, je vais payer la nourriture pour recevoir les fans. Tout ça, c'est tout pour Apache. Les fans, vous êtes où? Venez les fans, je vais faire à manger, je vais recevoir les fans. Tout ça, c'est pour que quand les fans viennent, espoir pour qu'ils te donnent un petit 10 000. Maman, pardon, j'ai même fuo. Arrête, mais je vais te voir. Et hey, moi, j'ai peur, parce qu'il y a les condiments, il y a les cubes magie là-dehors. Quelqu'un peut même venir te voir là, un genre, et hey, pardon. Partagez la vidéo, hein. Je vais parler, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai le temps, j'ai internet. Je suis en Gaoundéri, au pied du mont Gaoundéri, voilà le mont. Le mont là. C'est le mont Gaoundéri. Voilà, vous voyez la tête, non? Je suis bien posé là au pied. Partagez la vidéo, comme on vous connaît là. C'est le dirigeant, seulement 5 partages. Vous pensez que vous allez couper ma monétisation, mais non, mais. Zuckerberg a fait ça avec géolocalisation. Donc, rien ne va supprimer sur mon chèque. On vous connaît. Priez seulement que pourquoi la mère s'il ne quitte même pas là-bas. Ça vous fait quoi? Oh, ma chance. Dis donc, partagez. On dit qu'il y avait quelqu'un en bas ça là, l'ancien ministre des travaux publics. Travaux publics, voilà ça. Tu es en Gaoundéri, Nadine. Je vais aller manger le soya aux arachides tout à l'heure avec le sang de ma veine et toute la famille. Ça sera vers 19h. Je ne sais pas c'est où. Mais on m'a dit qu'il y a un soya aux arachides avec les beignets de riz et quoi. Ça va être ça qui va être mon souper. J'essaye de pas. J'ai acheté beaucoup de mangues. Il y a les mangues ici. Acheter des mangues. Ouh, attendez. Je vais vous montrer. J'ai un sac de mangues ici à l'hôtel. Bien gym. J'ai chopé d'abord 5 mangues bien faites là. Oui. Blague. Donc, je serai au pied du mont. Go à walk. Beka Osere. My village. Ah, j'ai mon fan Abdullah quoi là-haut. Il m'a dit que si tu viens en Gaoundé, je suis en Gaoundé de ma mère. Je ne sais pas où il est. Je sais que je vais aller manger le soya aux arachides. Je me repose aussi. Hein. C'est pas facile le voyage ici. Oui, c'est pas facile. Donc, c'est beaucoup de tout là. J'étais à Limbé, j'étais à Bouya, au pied du mont Cameroun. Je voulais que les filles voient ça. Donc, tu es de là. Ok, Nadine, Yomi. Mais tu as un nom Banganté, tu es du Ngaoundéri. Ok, ton papa est Wadjo, ta maman alors. De toutes les façons, je suis en Gaoundéri en ce moment. Si tu veux, je branche, tu pars vite chez chef suprême de Beka Osere. Ah bon, hein? Visiter le chef suprême. Beka Osere, c'est où? C'est mon mari qui connaît, moi je ne connais pas. Mari connaît un peu tout ici, mais là il est sorti, le sang de ma veine. Il est sorti avec la grande Loulou. Je suis seulement avec la petite Loulou, elle est dans sa chambre quelque part là. Oui, c'est ça. Je suis posée comme ça en Gaoundéri. Oui. Beka Osere, en tout cas. J'ai mon numéro WhatsApp du Canada fonctionne. Plus 1-514-915-0160. Plus 1-514-915-0160. Quand on dirait mais bio que nous souffrons tous. La reine mais bio, tu as fait le tour du Canada. Maman, j'ai dit que Steve avait le sang de ma veine et les filles. Je vais visiter la chefferie. Ok, je vais demander à votre beau nom. Moi, je ne sais pas le programme. On est là. Je dis que la fatigue de ça. Je me suis d'abord bien posée là. Je suis bien posée ici en Gaoundéri. Je vous fais seulement voir le mont. Hein. Je vous parle en vous montrant le mont. Oui, ça ne chauffe pas, Poupina. Ça ne chauffe pas et ça ne chauffera jamais, ma Poupina Gloria. J'ai vu ton fils. Eh, Albator. Oh, je l'ai vu. J'étais tellement contente. C'était comme si j'étais à l'écran. C'est moi qui l'a reconnu, hein, Poupina. Il ne me connaissait pas.
J'ai vu, il avait le chapeau bonnet. Je suis venu de bonnet de chez nous l'hiver. Mais je reconnais son petit visage et sa cravate. Il était bien habillé, non? Mais je le revoyais avec son costume, bouton ouvert, cravate, tout ça là. J'ai dit que j'allais mourir. J'étais avec une fan parce que j'étais au deuil de Gabriel. J'ai trouvé une fan là-bas. Elle est venue faire les selfies avec moi. Elle me parlait un peu et tout. Elle dit que la reine, j'aime tout ce que tu fais, blablabla. C'est pas tout le monde qui nous déteste ici sur Meta. Moi, j'ai compris ça. Donc, du coup, je causais avec ma fan comme ça, là, et puis tout d'un coup, je regarde le petit, je dis, qui c'est lui? C'est moi qui suis allée le voir, parce que moi, je ne suis pas gonflée. Hein. Je ne vois pas les gens, j'attends qu'ils viennent me voir. Moi, je ne suis pas moi gonflée que, oh, c'est si, d'abord que je me prends pour qui? Pardon. Donc, hein, je suis allée voir l'enfant. Bonjour, c'est toi qui es dans la Bayeresse? Il dit, oui, j'ai dit, ça va, mon fils. Oui, ça va, mon fils. J'ai dit, oui, c'est mon fils. Partagez la vidéo, non, c'est comment je vous fais voir le monde à Oundere. Dans votre vie, vous êtes arrivé ici. Ngoy, Ngoy, tu es arrivé. Même ton piment ne t'a pas amené ici. Tu vas faire un sketch par rapport à notre rencontre. Merci, quel honneur. Oh là là, envoyez les cœurs. Abonnez-vous sur la page de Poupina Gloria Comédienne. C'est notre comédienne. Je suis à Cameroun, comme ça, elle n'est pas vue. C'est vrai que j'ai peur des condiments, mais elle, là, je pouvais la voir. Je pouvais la voir. Oh, tu es 13h. Merci, ma chérie. C'est bien de visiter Beka Osere, un village qui a été créé avant même Gaoundéré. Ok, ma chérie, je vais aller voir ton chef. Il faut qu'il accueille bien la star. Hein. C'est pour ça que je t'aime jusqu'à... Moi, mais t'aime comme le poème La Salle était à Fokoué, Poupina. En plus, j'étais au lycée technique de Yaoundé avec toi. Ah bon, hein? Asit Nadine, Nadine Yomi. Asit Nadine me dit... Oh. Mon capsiki. Oui, c'est comme ça qu'on appelle ça. On m'a dit que c'est le monde de Ngaoundéré. Le matin, comme ça, il y a le brouillard. Ça fait un beau dessin. J'ai une petite vidéo très jolie que j'ai prise très tôt le matin. C'est magnifique. Oui, oui, vivons, aimons, contemplons nos pays et apprécions les petites choses que Dame Nature nous a données au continent. Oui. Ok, je ne rentre pas sans visiter Belka. Je vais dire ça à votre beau. Quand il va venir, là, il est sorti avec sa grande louloute, là. Avec la grande louloute et les autres frères. On est vraiment en famille. C'est des grosses délégations. Belka, oh, tu as mon numéro, non? Plus 1-514-915-0160. J'arrive à la chefferie, j'ouvre le direct. Voilà, c'est comme ça. Ok, je vais visiter sa chefferie, Doty Jet Li. Ton nom est compliqué, hein? Doty, Doty, Doty Jet Li. Facebook. Vous allez le tuer. Moi, je suis en tournée camerounaise. Il y a des belles choses à voir, vous voyez, non? C'est ça, on a un très beau pays. Le continent, je suis au continent. C'est Amora Marois. Marois. C'est Marois. Si tu veux, je connecte même avec le Lamido pour que tu visites et fais les photos. Ok, maman. Hey, le Lamido va m'accueillir. Maman, j'ai percé. C'est comme ça que je suis arrivée à Yaoundé. Mon fils m'a amené voir le PC. Il était dans les bureaux des Bobo. Maman, j'ai les relations. Hein. Je suis déjà un genre. Bientôt là. Pardon, suivez-moi. Amaro, je ne sais pas combien de temps c'est d'ici. Merci, Steve, pour mon numéro WhatsApp. Voilà. Plus 1-514-915-0160. Steve, c'est ma personne personnelle. C'est celui qui connaît le résumé, l'histoire, l'historique de la reine mère Biosumeta. T'es vraiment chez moi. Ah oui? Mais Marois, là, ça a combien de minutes d'ici, mon bébé? Faut que le père me dise. Moi, je ne connais pas. Je suis bien assise. Voici le monde. Si vous dites que je mens, voilà ma main. Voilà ma main. Voyez ma main, voyez ma main. Il va dire qu'elle manque, elle n'est pas arrivée là-bas. Quand vous savez rabaisser les gens là. Voici ma main. C'est ma main ici, là. Voilà. Ouais, Seigneur. Les vieilles chouettes qui ont vendu même le piment, mais elles ne sont même pas venues dans les grandes villes comme ça. Tu peux visiter en tant que touriste, c'est permis. Ok, ma chérie. Lol. Oui, Steve, est-ce que je manque? Quand tu résumes, quand tu me prends comme ça, tu me mets là comme ça. Mais Facebook met tout le monde en accord, non? Tom, tu as vu que j'ai mis tout le monde au pas. Personne, tous. C'est qu'elles sont seulement calmes. La digestion est trop compliquée pour elles. Oui, ce sont mes mains ici. Voici mes mains. Voilà.
Je suis ici, je suis au pied du mont. Ils vont dire que non, elle a pris une photo, elle a mis, ce n'est pas ça. Elle peut pas aller là-bas. Elle est trop villageoise. Elle est où? Elle n'a rien. Elle est pauvre, elle est mendiante. Oh, que c'est eux qui font de salam salam sur mes terres. Voilà Ngossa qui est venu au pays ici pour donner les choses aux orphelins. Elle a déjà enlevé sa part d'argent sur ça. C'est comme ça qu'elle fait pour vivre. Ngoyi, pareil. Elles vont venir parler à une jeune fille d'une des maman. Cameroun, tout. Ce n'est pas les choses qu'on parle. Faites aussi, on voit, non? Oh, est-ce que c'est facile? Faites aussi, on voit. Voilà. Je suis là, bien posée. J'ai dit ça, c'est au pied du mont. Hein. Pied du mont. Laisse-nous, Akatamo, va là-bas. Tu es fatigué. Je mens. Dis alors, tu n'es pas au pied du mont, tu es à Montréal. Tu es à Montréal dans ta voiture, tu habites dans la voiture. Tu ne dis pas, je suis un bruit. Tu as mis tout le monde d'accord. Les déplacements avec notre beau, c'est la chima. Je les ai mis au pas. Les vieilles chouettes. Si elles font comment, elles vont s'accepter que le tout, sinon. La femme s'y est trop d'avance. Oui, elle est terriblement mariée, c'est la blague. Terriblement mariée, maman. Maman, vous avez vu le man. Qu'elle voit comme ça, il a la chair de poule. C'est facile. Ah, les gens comme les mongues, comme ça. La mongue, ouais, j'ai pas le temps. Le numéro, là, n'appelez pas maintenant. Pardon, je suis en direct dans le téléphone, là. J'ai le téléphone du Cameroun aussi. L'autre m'a demandé des mains pour envoyer Orange Money, Mobile Money. Dans Cameroun, tout là. Oui, oui. Orange Money, Mobile Money. Jusqu'à il m'a envoyé. Oh, il y a une là qui m'a envoyé. Maintenant, vous, quand vous m'envoyez, mettez le nom. Mettez le nom. Vous voyez, non. Mettez le nom que c'est tel, tel. Ou un petit message. Parce que quand tu reçois, on te dit seulement que Business Co. Ou c'est quoi, machin. Tu vois, c'est l'argent. Tu dis que, yeah, je vais faire quoi. Je touche pas. Hein, ça reste là. J'attends que vous m'envoyez le message que la reine met bio. C'est moi qui viens de t'envoyer tant. Ah, merci ma chérie. Sinon, moi et moi peur. Parce que même les condiments peuvent passer dans l'argent. Hein. Non, non, pas dans l'argent. J'essaie de t'appeler. Non, maman. Non, maman. Je ne peux pas prendre l'appel. Je ne peux pas prendre l'appel sur WhatsApp, ma chérie. Parce que, attends, je t'envoie une invitation à entrer dans le direct si tu peux. Oui. Oui, ma chérie, je t'appellerai après. Je vois ça. Je vois ça. Je t'envoie une invitation si tu peux prendre et entrer. Parler de... Cache ta caméra. Cache-toi, on ne te voit pas. On entend peut-être seulement ta voix. Oui. Camo dit que quoi? Je suis chez toi. Tu veux quoi chez moi? Ah, c'est quelqu'un qui a dit à Camo de quitter. Puis il dit qu'est-ce que je suis chez toi? Ouais, ma chérie, je ne peux pas prendre la paix sur WhatsApp. J'ai fait le direct sur mon téléphone. Mon téléphone qui a ce WhatsApp-là. J'ai un autre téléphone. Hein. Vous voulez que je fasse que vous pour prendre les appels? Vous voulez que je prenne les appels? Partagez et likez. Maman, sortez du direct. Mettez les j'aime. Partagez, likez et revenez. Ce n'est pas le clash. Je donne l'heure juste. La seule maman qui remet tout le monde en accord sur mes tas. C'est-à-dire que vous finissez par confirmer le code. Voilà. C'est ça. Donc, partagez, sortez, vous mettez j'aime, vous partagez, vous likez. Et puis, vous revenez pour écrire. C'est comme ça. Voilà. Ma fille qui va aller me faire visiter sa chefferie là. Tu sors, tu aimes, tu partages, tu reviens. Sabrina, tu sors, tu aimes, tu partages, tu reviens. Aliba, tu sors, tu aimes, tu partages, tu reviens. Steve, tu sors, tu aimes, tu partages, tu reviens. Hein, c'est ça qui est important. Nous vivons des partages. Voilà. Sophie, tu sors, tu aimes, tu partages, tu reviens. Stéphanie, pareil. Doty, pareil. Catherine, pareil. Majolie, pareil. Kamga, pareil. Caroline, Majolie encore. Oui, tout le monde, tout le monde, tout le monde, vous partagez. T'as moi, tu as à partager. Je suis fou. Moi, Jean, sors, tu partages et tu reviens. Moi, voici au pied du mont Ngaoundéré. Vous avez vu le mont là? Qui a vu ça? Si vous avez vu, vous me dites non. Il y a mon nom dans vos bouches comme la canne à sucre. Je ne vous gère même pas. Ouf. C'est ça. Donc, je suis là, je suis en Ngaoundéré, tranquille. Tranquille, avec toute la famille. Marco, je suis en Ngaoundéré au pied du mont Marco. Le beau des beaux, je suis en Ngaoundéré, le beau des beaux. Le bon du bien, c'est en Ngaoundéré au pied du mont. Je leur montre le mont. Ils vont dire que c'est pas moi. Voici ma main. Regardez ma main. Voilà, ils vont dire qu'elle ment. On l'a filmée, elle est partie filmer quelque part. Ouais. C'est ma voix. Vous n'avez pas besoin de me voir, vous avez besoin de contempler comment Dame Nature prend le temps de sculpter une montagne avec des roches qui ne bougent pas. Merde, Cabaroche sédimentaire, Cabaroche que l'eau. La montagne, j'ai dit que quand je roulais au pied de la montagne, je me demandais, est-ce qu'une roche ne va pas rouler et me trouver? Ils ont dit que non, il n'y a pas d'érosion. Chaque roche est incrustée. C'est-à-dire que roche
planté ton mont. Oui, depuis le mont Paris. Oh là là, le beau de au mont Paris. Moi, je suis au mont Ngaoundéré. Et c'est ça. Au mont Ngaoundéré, c'est ça. C'est ça. Quand vous voyagez, il faut faire le tour. Il faut seulement venir vous asseoir à Yaoundé. Vous dites que les fans, envoyez-moi l'argent, les fans. C'est comment les fans? C'est chaud sur moi, envoyez-moi l'argent. Faites le tour aussi. Découvrez, faites découvrir à vos fans les endroits. Voilà que je vous montre le mont. Voilà que je vais aller visiter maintenant la Mido. Comment dit la chefferie de Oulao. On dit que c'est à Maroua. Maman, je vais encore quitter ici pour aller jusqu'à Maroua. Maroua, c'est combien d'heures, ma chérie? Doti? Maroua, c'est combien d'heures? Tu peux monter le mont, c'est extraordinaire. Tu peux voir tout Ngaoundéré. C'est ce que je pensais monter le mont demain matin. Je ne sais pas. C'est combien d'heures? J'ai demandé à mon chéri. Lui, il avait déjà monté depuis là. Je voulais monter avec les filles. Ah, Maroua est à 7 heures d'ici. Okay. Pour quitter Ngaoundéré à Maroua, c'est 7 heures. Tu es sérieuse, Doti? Bonjour ma reine, je suis une reine baroque, je suis en Ngaoundéré, bonne arrivée. Baou, baou, aïe aïe aïe, je suis bien posée en Ngaoundéré, Marouandéré. On fait le sport le matin là-bas, waouh, au pied, il s'est dit que la respiration de ça. Demain matin, je vais voir. Je n'ai pas amené mes chaussures, et mes tennis pour faire, pour faire de l'alpinisme. Ma tennis. J'ai les sandales basses et les talons. Maman, je vais aller monter comment? Que j'aille m'acheter une tennis alors. Oui, l'état des routes. Dans 7 heures de route pour aller à Maroua. Maman, c'est pas possible. Je ne pourrais pas. Non, maman, je ne pourrais pas. C'est là-bas que je vais aller voir la chefferie, mon bébé. Naughty. Naughty. C'est là-bas que la chefferie est. Non, mon bébé, dis au chef qu'il est trop loin. Mon terminus, c'est ici. Il y a le parcours vite à côté. Ok. Je vais voir ça demain. Maman, je suis en train de vous dire ça. Envoyez les cœurs partagés. Évitez mon gars. Maroua, c'est l'extrême nord. Donc, ici, je roule encore 7 heures, maman. Et que ma part de travail sur la route, c'est quoi, non, bah. Non, maman, s'il y a l'hélicoptère, maman, je vais aller. C'est un hélico, ça peut faire même 1 heure comme ça, là. Tout à l'heure, je vais aller manger le soya avec les arachides. Mon ventre fait comme ça. Tchouloulou, 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 ça a tellement hâte. On dit qu'il y a un ministère de soya spécial avec les arachides. Maman, le goût de ça. Ma femme qui est en Ngaoundéré là, Comment elle s'appelle même, celle qui vient d'écrire là. Margot. Margot et Bina. J'ai dit qu'il y a le ministère de soya avec les arachides. Tu me trouves là-bas. Là, avec le sang de la veine et les filles. Là-bas, maman. Essaye de me cacher. J'ai peur de qui? J'ai peur de qui? Chaka. Vieille chouette, que la vie même, ça dit même la vie ne les sourit pas. Elles viennent s'asseoir sur les vies des bien gens. Voilà mon gars maintenant aujourd'hui. Pipez-moi mon gars, mon gars ouf. Vous avez suivi ce que Marlène Mvoutou a dit hein, avec Kameko. Mais avec Kameko, c'est 7 heures. Non, c'est 1h30 ou 1 heure, non, je pense. Vous avez suivi ce que Marlène Mvoutou a dit sur mon gars. Vous avez suivi. Avec vos vous comprenez avec quoi? Mon gars a deux identités. Elle va être sénatrice sur deux fronts. Elle a l'autre qui s'appelle Zenab ou quelque chose. L'autre qui s'appelle Mon gars. On peut faire ça? On peut faire ça, mon gars. Vous m'avez insulté ici sur Facebook. Oh, mon volant, ma voiture, je suis bien, j'habite dedans. Mon gars, la femme que le volant a, le Njansan a pris la peau du volant de Mon gars, épluché le volant devant nos yeux ici sur Facebook. Mon gars a deux identités. Ça veut dire qu'elle va être sénatrice? Mon gars a été interpellé et entendu. Et Malène, ce n'est que le début. Vous avez vu comment sur Meta, vous vous organisez à pourrir les vies des gens sur le nom de la de Facebook pour dire que vous êtes en train de chercher où c'est les vues, où c'est les quoi. Vous avez maintenant vu ce que ça a donné, que mon gars se retrouve que en état d'arrestation et de déposition et de je ne sais pas quoi. Vous avez compris ça? Vous avez compris? Elle connaît Malène d'où? Mais elle s'est assise pour l'insulter, insulter, insulter, soi-disant que abeille de République, ou que c'est abeille de Ngoué, abeille de République, réduite à abeille de Ngoué. Voilà alors mon gars qui est en train de bouffer un djangui. Maman, je dis que l'arrestation de ça, les fausses identités de ça, nous on est assis sur Meta. Moi, c'est tout mon nom, hein.
Même date de naissance, même chose. Rien n'a changé sur moi. Mes amis du lycée sont ici sur Meta. Ne me cache pas, maman. J'assume qui je suis. Tu as compris, non? Même date de naissance, même nom. C'est tout moi. Si maman, il doit faire la pédicure. Hein. Pardon, quand j'arrive à Yaoundé, là, je vais faire la pédicure chez Spectra. Qui m'offre Spectra, là? Qui m'offre les soins chez Spectra? Qui a la hauteur dans mes fans, là? La reine Mébio veut les soins chez Spectra. Autour du Cameroun a fini tout son yanga. Maman, mes ongles, je vais seulement aller chez Spectra faire ça. J'aime beaucoup les soins là-bas. C'est elle qui veut porter plainte. Ah, car, que mon gars reste tranquille. Que mon gars, je dis qu'elle a honte. Ich. Moi, à sa place, je démissionne dans les trucs de politique. Là. Elle m'a sorti, c'est deux identités. Bah. Eh, hey, bah, Zena, boubouakoulo. On a cité les noms, j'ai même pas eu le temps de retenir. Maman, hey, mon gars, fait fort. Mon gars a fait fort, je vous assure. Mon gars a des identités dédoublées, ma soeur. On peut faire ça, Adama. On peut faire ça, mon gars. J'allais au ministère de Soya. Manger le soya. Cindy Fort, je te salue. Aimez la vidéo, sortez, vous aimez la vidéo, vous partagez. Et vous revenez encore dans la vidéo. C'est ça, c'est la maman des maigres vues, mais qui fait le chiffre? Oui, même salaire avec les vieilles chouettes. Et peut-être même plus des fois. Parce que la géolocalisation de Meta est en fonction de son dollar, de leur... Vous avez compris, non? Vieille chouette. C'est tout fait pour m'exterminer ici sur Meta. Vous êtes tenu tête. Maintenant, vous avez honte. Tout le monde est dépassé. Bouche B. Vous êtes calendorbo. Comme on disait. Calendorbo. Parlez même. Ça vous a dépassé. Voilà le monde Ndere que vous montre. Je suis au pied du monde. Vous dites que je m'en... Ah, le champ de maïs ici en bas, même dans une propriété en bas ici. Ouais, non. Vous avez dit qu'elle ment. Elle n'est pas là-bas. Ouf. Tout, mina. Tout, mina. Cameroun, tout, là, ça coûte cher. Hein. C'est pas facile. Faut le faire. Reine Mébio, ça fait longtemps que tu te fais. Maman, je suis au pays et en tournée familiale. Maman, Dieu fait grâce, Cindy. J'ai dit que Dieu fait grâce. Je suis en tournée familiale. Il faut continuer à prier pour moi, oh, mais j'en suis. C'est pour ça que tu ne me vois pas. Hé, hey, maman, j'ai le temps. Occupé, bon, maman, tu penses que je vais mettre la famille sur mes tas? Pardon. J'enjoy. Je suis occupé, trop occupé à enjoy la vie. Maintenant, je suis au pied du mont en Ngaoundéré, Cindy. Voici le monde ici, là. Ils vont dire que ce n'est pas moi que je mens. Elle ment, elle ne peut pas aller là-bas. Elle va faire comment pour aller? Oh, comme ça, elle fait. Quitter sur moi. Quand je dis que nous appartenons. Les moutons marchent en ça, ils n'ont pas les mêmes prix. Vous avez compris, non? Ils n'ont pas les mêmes prix. Quand tu soulèves un mouton, là, le prix de ça, le poids de ça, bon, c'est ça. Profite bien de ta tournée et de ta famille. Oh, maman, je profite jusqu'à. J'ai dit qu'au petit soin. De A à Z. Maman, le goût de ça. Les vieilles chouettes peuvent mourir. Elle dit que merde, ton est là encore. Ton est encore là. Ton, les enfants ne sont pas placés. Ton, elle est même au pays. Don. Eh, pardon. Mon bébé, Raïssa, comment tu vas? Sors de direct, tu partages, tu reviens. C'est ça, c'est dit force. Tu sors, tu partages, tu reviens. Nous, on vit des partages. Encore ici au pays, là, la géolocalisation, ça n'aide pas. Donc, il faut partager. Partager, vite. Oh, je vais faire les soins chez Spectra. Oh. Qui va m'offrir les soins? Je vais chez Spectra. Je fais ma pédicure, manicure, massage aux pierres. Moi, j'aime le massage thaïlandais. S'ils font le massage thaïlandais, je veux un combo. Un bon combo chez Spectra. Je sais que vous êtes capable. Dans mes fans, là, il y a les poids lourds. Hé, hey, maman, la milliardaire. La milliardaire a fait fort le coup. Est-ce que c'est facile? C'est même la blague. Regardez-moi ça. C'est un nyantali, baba, le nyantali. C'est le nom du chat. Non, je suis là. Mon gars, tu n'as encore rien vu. Tu as compris, non? Achouk en gongolique, mon gars. Achouk en gongolique. Tu n'as encore rien vu. Tu es là, tu fais le bruit. Tu veux porter plainte. Dans quelle identité que tu veux porter les plaintes que tu as prévues? Tu avais le nom avec Dena Bousso, avec quel nom? Tu t'assois, Lolo, tu insultes. Moi-même, tu m'as insulté ici par rapport à Ngoï. Oh,
Je parle en goyi. Oh, je dois me taire. Oh, je sais si. Oh, machin. Tu as fait direct spécial sur moi. Pas un, pas deux, pas trois. Voilà ton vrai Njangi que Malène est. Oh, calme te donne. Malène, je te salue, ma soeur. Tu as trouvé un autre loyer. Je te salue, ma soeur. J'espère que le tout, si on ne va pas t'humilier encore. Pardon. Gérez vos problèmes de loyer au quartier. Ne faites pas l'humiliation. Viens nous trouver sur ce. C'est ça qui nous étonne. On parle aussi. Comme quand ça nous trouve, on parle. Comme l'affaire de Mongue que tu as posée, nous, on parle seulement. Donc, il ne faut pas croire que c'est parce qu'on te connaît. Moi, je ne te connais pas, ma fille. Je connais les maths. Je connais Bella. Voilà. Toi, je ne te connais pas, maman. Mais nous, on parle seulement. Écoutez. On met le micro sur ça. Je connais maths. Toi, je ne te connais pas, ma chérie. Mais nous, quand ça vient nous trouver, on parle. C'est comme ça. Donc, Malène, traite-moi mon gars propre. Mon incarcération, mon bichibi. Fausse identité, c'est de la faute. C'est une voleuse, un bandit. Mon gars volé. Mon gars volé. Ma mes ongles ne sont pas propres. J'aime plus moi mes ongles. Au bout de 2 semaines, 3 semaines, là, il faut se refaire. Ah, ma. Je suis à la Spectra. Qui m'offre Spectra? Bon, qui est chaud? Parce que Spectra ne coûte pas 2 francs 3 sous. Hein. Je sois celui de Bastos, là. Qu'on prend pas nouvelle route pour monter vers l'usine, là. Oui, je vais à ce Spectra, là. Donc, celui qui m'offre, là. J'ai besoin de faire les soins. Je peux faire ça quand? Vendredi. Bon soin, manicure, pédicure. Déjà, là, te racle le pied. J'ai dit que les soins peuvent te tuer chez Spectra, là. Pour m'offrir ça à mes fans. Maman, je vous dis que je suis allée au deuil de Cabrel. Cabrel m'a fait couler les larmes. Comment il s'appelle là? L'homme, moi, Minga, m'a fait pleurer. Vrai, vrai. Oui, le jus de ça. Le jus de ça, je suis au Cameroun, c'est pour ça. J'étais au deuil de Cabrel Nandi, mon fils, le fils d'Undé, digne fils. Oh, Seigneur. Très émouvant. Ça m'a fait, c'est-à-dire que l'homme, Waminga, elle m'a fait pleurer, cette femme, cette jeune femme. Oh là là. Oh, c'était triste, hein. J'ai vu des stars. J'ai vu tous les influenceurs. J'ai vu ce même jour, hein, j'ai vu Fingon. Au lieu du deuil, il était assis devant moi. Peut-être à 3 chaises rangées devant moi. Ensuite, hein, un moment, Fingon voulait sortir pour aller faire quelque chose. C'est comme on se lève souvent. Quelqu'un lui a dit que non, on ne sort pas, on est en train de faire la quête. Il m'a dit que qui va faire le dépôt? J'avais mouru de rire. J'étais même en direct le temps là, j'avais mouru de rire. J'ai aussi vu celle-là, Muriel Blanche. Maman, elle est assise à côté de Fingon. Maman, quand tu les vois en face, là, elles sont naturelles. D'un naturel, vraiment, je te dis là. Hey, elle était naturelle et économiquement belle. Je te dis. Muriel Blanche est assise à côté de Fingon. Quand Fingon sortait, c'est eux qui ont dit que, on ne tue pas ou on fait derrière la quête. Fingon a dit qu'il va faire le dépôt à l'église. J'allais mourir de rire. Après ça, on a fini là. Non, moi, je ne suis pas durée. Hein. Je n'ai pas fait toute la cérémonie. Du moins, j'ai laissé la messe parce que j'avais d'autres choses. Je vais aller à Bafoussam. Je suis allée à Bafoussam. J'ai encore trouvé Fingon vers la soirée parce que j'avais des trucs à faire à Bafoussam. Vers la soirée, j'ai trouvé Fingon encore à Bafoussam. On a même pris le gaz à la même station. Maintenant, là, il a. À Bazou, et bon, si j'allais à Bazou dans ma belle famille, voilà. Donc, on allait à Bazou, mais on ne s'est plus vu à Bazou. Mais à Barenté, je l'ai vu déjà avant. Je l'ai vu la veille. J'ai vu Moustique aussi. J'ai vu Moustique. J'ai vu, pas Pifo, Zizou. J'ai vu le petit Zizou. Quand j'ai vu Zizou, hein, j'étais déjà quitté de là où j'étais assis. Je m'étais un peu décalé, comme je devais lancer à Bafoussam. Et la messe n'était pas finie. Donc, je n'ai pas fait la suite comme cérémonie, réception, tout. C'était vraiment comme la messe, mais une bonne partie vers la fin. Et quand je décale, qui je vois Zizou. Je dis bonjour mon fils Zizou. Il dit que la mère, la quantité d'argent que vous mangez là, vous ne me donnez pas aussi. Je dis que, qui est Zizou. Il m'a ça m'a pris chaud chaud. Hein. Je t'ai dit, un petit garçon, mais très cool quoi. Très jeune. C'est des enfants, hein. C'est nos fils en fait. Nos fils qui font beaucoup d'humour. C'est bien de les voir. Hein. Moi, j'étais bien contente de les voir. Il m'a donné son téléphone et tout. J'ai son téléphone, même WhatsApp du petit Zizou. J'ai vu Pifo, mais Pifo, j'ai pas pu parler avec lui. Hein. Pifo était très occupé. C'était le chef de protocole. Il y a quelqu'un qui était dans le protocole qui m'a dit d'aller voir Pifo pour faire mon interview.
Je crois que quand Fingon se levait, il partait faire l'interview. Parce qu'on te prenait, tu allais derrière, tu donnais ce que tu veux dire, blablabla. Bon, moi, je n'ai pas eu le temps parce que moi, j'étais pressée. J'allais à Bafoussam, j'avais une rencontre là-bas et tout. Donc, voilà. J'ai vu qui d'autre et j'ai vu qui d'autre. J'ai vu le fils Albator, Albator, le fils de Pupina Gloria. Lui, là, il était assis, il ne parlait pas. Moi, je suis partie le saluer. J'ai dit que moi, monsieur, c'est un cas. Je suis partie dire bonjour, mon fils, c'est toi Albator qui fait. Il dit que oui. J'ai dit que yosh, l'héritier. J'ai dit que j'étais contente, l'a embrassé. Moi, je suis simple. Hein. Moi, je ne prends pas la grosse tête. Je ne fais pas les choses. Mais c'est que ça. Pourquoi la lumière est allumée? Ça me finit la batterie. C'est pour ça que j'éteins la lumière. Ça va, ah, la lumière est éteinte. Ok. Il y a la lumière, je ne sais pas pourquoi. Donc, j'ai vu Albator, maman, le petit là, hein, je te dis que j'étais contente de le voir.